Jacqueline! Jacqueline, t'es chez toi! Oh bordel, elle est peut-être pas chez elle. Oh putain, je n'ai jamais sauté une barrière comme ça. J'ai quand même 65 ans. Athlétique, ce bon vieux René. Oh, oh Philistin! Oh, fais attention, il y a plein de mordeurs. Je reviendrai te chercher, Jacqueline. Oh putain, allez, non. Je vais te trouver un couteau d'abord. De quoi me défendre? Et seulement toutes ces années avec le Dalai Lama. Au secours! Oh, oh putain, athlétique le René, arrête athlétique. Je suis athlétique. Oh bah non, oh bah, je me suis cassé la gueule. Je me suis cassé la margoulette, j'espère que je me suis pas fait mal. Jacqueline! Oh bordel, mais il y a tout qui est fermé. On croit qu'on était en Europe pour tout fermer. Oui. Oh! Jacqueline! Oh, ça me fait plaisir de te revoir. Oh putain, la con. Je vais aller très très vite à l'église. Notre Père Monseigneur pourra peut-être nous sauver. Les gens sont devenus complètement fous dans le quartier. Mon Père Monseigneur! Mon Père Monseigneur, est-ce que vous êtes à l'église? Mon Père! Mon Père! Oh là! Ah, je sais qui disait mange c'est mon corps, mais à ce point-là! C'est comme s'il n'y avait plus un seul survivant dans toute la ville. Il y avait du monde au motel. C'est ici qu'il y a eu un scandale ces derniers temps. Le maire. Alors, je crois que c'est la voiture du maire, justement. Il ne m'en voudra pas si j'essaie de lui... Non, toujours pas. Bon, j'ai pas de chance, hein. Par contre, qu'est-ce qu'il y a comme gens décédés dans cette ville? Bon, je vais vous laisser tranquille, messieurs, dames. Hein. Là, ils sont en train de profiter de leur repas, j'ai pas envie d'être le leur. Comment ça, y a pas beaucoup de monde quand même dans cette rue. Oh, c'est le vétérinaire. Oh putain, c'est ouvert. Oh, ça m'a surpris. Oh, le coiffeur. Ça fait des années que j'y suis pas allé. On va les fermer, comme d'habitude. Spiffon, on peut toujours compter sur eux. Là, ah, bah, apparemment, pas cette fois. Ah, quelqu'un. Par pitié. Au secours. Oh putain. Ils sont nombreux quand même. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi il y a autant de monde là-devant? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est encore le maire? Il a encore fait des choses dans le motel? On ne surprendrait pas de ce vieux dégoûtant. Oh, c'est pas une bonne idée d'aller là-haut. Oh, c'est pas une bonne idée d'aller par là. J'ai plus soif. J'ai très peur. J'ai très très peur. Il y en a vraiment beaucoup des zombies, c'est fou. J'entends grogner. Ah, c'est vous madame. D'accord. Je vais vous laisser tranquille. Oh oh. Oh oh. Il y a du monde. Mais c'était fermé ça tout à l'heure. Ah, il n'y a plus de porte. Peut-être une bouteille, une petite bouteille. Non. Non, il n'y a pas de bouteille. Bon, je vais pas rester ici. Oh non, je vais pas rester ici du tout. J'arrête pas de courir depuis des jours. Je le sais. J'ai entendu dire. Il y avait une caserne de pompiers dans le coin. Je me sentirai en sécurité quand j'aurai une putain de voiture. Pitié. Juste une petite clé. Je n'ai pas de clé, hein. On va retourner sur le centre-ville. On va aller essayer de trouver un endroit où se reposer, dormir un petit peu et peut-être, qui sait, rencontrer des gens. Je parle pas de l'amour, mais ouais. On est ouvert. On est ouvert à toute chose. Mais pourquoi il y a des il y a des manifestants encore? C'est pas possible, ils sont au milieu de la route, c'est con. Une bouteille d'eau. Je prends aussi le soda alors. J'ai de la place sur moi. Ah, j'ai pas grand chose, il me faudrait un sac. Il n'y a pas un rayon sac. Oh non! Au secours! Au secours! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Au secours! À l'aide! À l'aide! À l'aide!
Au secours! Au secours! Au secours! S'il y a quelqu'un qui vient de me sauver le cul! J'ai peur! Je suis vieux! Au secours! Et en plus de ça, j'ai une bouteille d'eau! Et j'ai trouvé quelque chose de très étrange sur mon corps! C'est pas normal de me déplacer comme ça! Je faisais de la breakdance quand j'étais jeune! Oh bordel, ils sont beaucoup! Allez, allez René! Allez mon René! Allez! Oh oui! Oh! Oh putain de sa mère! J'ai peur! J'ai peur! Je suis une personne âgée! Au secours! Je suis une personne inoffensive! Mon père, mon seigneur! Ça doit pas être lui qui tape à la porte. J'ai peur. Mon père! Oh bah je crois que le père il est pas bien. Oh non, c'est moi qui ai ouvert la porte. Oh pardon. Légèrement sous le stress. Oh mon père, qu'est-ce qui vous est arrivé? Une carte! Oup! Prends ça! Prends ça! Gourgandine! Gourgandine! Être du démon! Tu t'es attaqué au père! Attention qu'il y a des gens derrière cette porte. Ah, j'ai une idée! Viens là! Viens là! Viens là, ma grande! Viens là! Allez! Tu vas en discuter avec le conseil! Oh merde! Pas avec moi! Mon bordel de merde, plus de quartier d'ici en fait! Hé, mais qu'est-ce que vous foutez dans l'église? Au secours! Mais par pitié! Mais par pitié! J'ai peur! Il y a des hiboux! Qu'est-ce que... Il y a quelqu'un? Excusez-moi, j'entends des voix. Oh, je sais pas si vous êtes amical ou non, mais il y a quelqu'un? Oh, je viens juste me foutre. Au secours! Ouvrez, il y a quelqu'un! La cour de justice! Il est vachement grand ce bâtiment. Non, j'ai peur. Au secours! Il faut que j'aille dans cette demeure, mon pote. Un punk! Fuite pas. Mais bonjour, c'est la maison des Robinson! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Vous n'êtes pas monsieur. J'en sais rien, ça a cramé. Oh, monsieur l'agent! Non, c'est pas monsieur l'agent. Monsieur l'agent, il y a des gens qui veulent me mordre, j'ai très peur. Et en plus, il fait peur. Ah oui, mais moi aussi, je vais me bouffer. J'ai peur, monsieur l'agent! J'étais avec un type, mais je sais pas, il est parti, enfoiré. C'était Charles Robinson. C'était le propriétaire. Qu'est-ce qui t'est passé à la demeure des Robinson? Je sais pas. Je sais rien. Je suis sûr et certain qu'elle n'était pas dans cet état hier. Je les connais pas, moi. Moi, je connais bien le quartier, il était pas comme ça. Derrière. Oui, je crois. Excusez-moi, je regarde, il y a peut-être monsieur Robinson. Voilà. Oh mon dieu, un homme! Oh! C'est beau, il est ok. T'inquiète, ça va. Baisse ton couteau, yes, ça sert à rien. Excusez-moi. Je l'ai utilisé. Ah, on t'entendait. Je sais pas, monsieur l'agent, putain. Monsieur l'agent, j'ai dû utiliser cette arme contre une femme. Ah, oui, bah c'est pas tant mieux. Eh ben voilà. J'ai eu très peur. C'était mérité. J'aime l'Amérique de ce qu'elle devient, là, si c'est ce genre de choses. Comment il s'appelle Comment tu t'appelles? Je m'appelle René Renard. René comme René, Renard comme le chien. Et vous, mes chers messieurs l'agent, comment vous appelez? C'est Alexander. Alexandre, Aidan. Enchanté, Alan. C'est un plaisir de rencontrer des charmants jeunes hommes comme vous, ça me fait plaisir. Tape dedans. J'étais dans une supérette. Une supérette merveilleuse. Des boîtes de conserve à ne plus en compter.
Allez, je pense que c'est mieux. J'ai l'impression que vous n'êtes pas des policiers, messieurs. Non. Non. Ah. Non. On fait comme on peut, là. J'ai ramassé le gilet sur un cadavre, c'est pas... C'était monsieur... C'était monsieur Robinson. Donc t'as pas vraiment la gueule d'un flic, hein. C'est pour ça que je te pose la question, mon vieux. Ah oui, je me doute. Je m'appelle René Renard. Alors, enchanté, René Renard. Bonjour. Vous faisiez quoi avant tout ce bordel? Je m'occupais d'une petite quinquerie. Je m'occupais seulement d'objets fragiles. On l'appelait les HB. Que de fragiles là-dedans. D'accord. Chut, seulement des objets fragiles. Si vous cherchez du fragile, venez chez les HB. Oh, un cafard. On n'en voit plus de ces temps-là. J'ai un magnifique couteau de cuisine. Pas mal. Je vois qu'on n'a pas grand chose à dire. Hein. Vous savez, c'est la demeure des Robinson. Elle n'était pas comme ça de base. Cramée là. Bah de base, il y a moins de cramés et plus de vivants, si je puis dire. Mais c'est quoi? C'est les morts qui ont foutu le feu. C'est des morts pyromanes. Je sais pas, peut-être les mecs là-dedans, ils voulaient se foutre. Oh, le gardien. Ils voulaient se foutre en l'air. Sur René, si vous voulez quelque chose, il y a une casserole là, pour vous défendre. Oh, mais ça tombe bien, vous savez, j'ai un passé de cuisinier. Je ne sais pas, ça c'est peut-être... Il y a une poêle à frire, si je vais vous prendre la petite poêle, mais je commence à être légèrement encombré avec toutes les merdes que je trouve. J'ai vu une émission récemment d'un petit jeune qui est décédé en pleine nature. C'était terrible. Il était avec sa compagne docteur. Attention, il peut y avoir des trous. Il peut y avoir des trous dans le sol, faites gaffe. Vous me dites des trous, mais non, j'ai rien. Ça a cramé. Penché cramé, faites gaffe. Oh, c'est terrifiant ce que vous me dites là, monsieur Alexandre. Ouais. Regardez, il y en a un qui est resté. Il reste plus rien. Oh, ici, monsieur Robinson. Il y a un cramé au-dessus. Oh, bah ça me fait... Bah justement, je vais toujours m'accramer ensemble. Une personne sympathique. Oh, son lit, c'est drôle, son lit est impeccable. Comme s'il n'était pas inflammable. La moitié de son lit a tenu, apparemment. Ça tombe pas sur un lit comme ça. Ah, c'est pas monsieur Robinson, ça. Sa fille, peut-être. Il n'avait pas de fille et personne ne l'aimait. Si vous voulez, il y a une petite bague avec un diamant là. Alors, je suis pas genre, vous savez, moi la seule bague que j'ai, elle est dans mon cœur. De ma chère Teresa. Et vous, votre petite Teresa? Ah, on n'a jamais été ensemble. Ah, d'accord. Ah non, on n'a jamais été. Non, non, c'est pour ça, elle est dans mon cœur la bague. Oui. Ah oui, ouais. Une balle de pistolet qu'elle a essayé de me mettre en 1974. Après que je l'ai trouvée dans le lit de Roger, la salope. Aïe. Oh, je vous jure. ça devait être dur. Trois jours de relation, et là, je la retrouve déjà. La Monique, elle a une bite. Non, ça, c'est autre chose. Oh là, il y a un paquet de cadavres. Vous savez, à mon âge, on a goûté un petit peu à tout. Hein. Ah, peut-être se barrer. Ouais, bah, c'est pas la bonne baraque pour aller se planquer ici. Ah, j'ai pas l'impression. Non. Ah, vous êtes sûr pas être policier, parce que vous m'attraquez très très bien. Hein. Et j'ai l'impression que vous frappez que des minorités. Hein. C'est très étrange. Ah, écoute, c'est comme ça. Moi, je me sens pas spécialement en sécurité avec vous, si tu peux me permettre. Oh là, j'avais. Pourtant, pour l'instant, fais gaffe, grâce à nous. Vous en sortez très très bien. Hein, Allez, ok, fini. Et moi, je suis plus du genre à... La guerre, tout ça, c'est pas mon truc. Y'a plus rien. Moi, j'étais plus dans ma quinquerie, là, le truc de fragile. Les HV. Les HV. Les HV, oui. Que du fragile. 100% fragile. Ah, je connais pas, C'est, si vous cherchez des objets fragiles, c'est chez moi. Et chez les HB. En tout cas, c'est une boutique d'antiquité, genre. Oui, c'est ça, j'étais antiquaire, exactement. Ah, il y a que du vieux. Mais nous, vu qu'on est vieux, on a le droit à la parole avant toute chose. Putain, j'avais un collègue. C'est sûr. Il était sympa, il portait le nom d'un chien. Il était fort sympathique, mais un véritable poire. Attention, on n'est pas tout seul. Hein. J'ai l'impression que ça grignote ici derrière la porte. Ouais. J'ai l'impression. Mais c'est Monique! Monique! Comment ça va? Vas-y. Oh, attendez pour que j'aille ouvrir. Oh. Attends, fais gaffe, René. Ah, la musique, j'adore ça. Monique, il n'y a plus Monique. Ah, elle est partie! Oh, bon, bah, j'espère qu'elle passe une bonne journée. Ah, Monique, adore, Monique, adore. Ça me fait plaisir en tout cas. Passe une bonne journée, Monique. Elle aurait pu dire bonjour au moins. Ça me fait mal au dos. C'était juste de voir s'il était accordé. Ah, si vous voulez, je vais essayer de jouer de la guitare.
Alors, j'ai vraiment de la chance d'être tombé sur des policiers comme vous, ça fait vraiment du bien. Ouais, des policiers, ouais. Des policiers. Et vous étiez dans quelle brigade, mes chers amis? Alors, la brigade bouchonnerie. Brigade. C'est rien, moi. J'ai un problème, j'ai quand même, je peux pas connaître sa brigade. Brigade du cuir, tiens. La brigade. J'essaye, tant bien que mal. Ça tira bien, je pense. J'essaye tant bien que mal d'équiper cette saleté de basse électrique. Vraiment d'une complexité, c'est bon. Vous vous sentez détendu? J'aime beaucoup la basse. Oh, ah bah, oh putain. Ah, voilà. Ouais, y a cadavre. Oh! Ça sort un petit peu, ça va faire du bien. Oh, mais quel plaisir! Oh, mes aïeux! Je sens que ça va être un coup là, celui-là. Ça va être compliqué. Mais... ouais. Vous voyez, je vous entends. Oh, putain! Ah, je vous ai prévenu, il faut s'entraîner, hein! Vous me remercierez dans les longues soirées un peu longues. J'en doute pas. J'espère que ça arrive vite. Il y a un de vous qui est un peu mélomane, qui veut chanter un petit peu. Je sens, monsieur Alain, que vous avez un là, joli ça va être difficile. Non, pas du tout, alors. Encore moins pour la chanson. Ah, bah, je me suis curieux d'entendre ça. Ah, je ferai tomber la pluie, moi. Ah, bah, ça tombe bien, on a besoin d'eau. Je cherche l'interrupteur. C'est cool, ça. Planqué. Et là, attends, tiens. Ah, merci bien. Ah, voilà. Eh, hey, on n'est pas bien, là. Attendez. J'ai l'impression que j'entends des voix. Moi aussi. Oh putain. C'est fou. Fais gaffe, René, fais gaffe. Ah oui, je fais attention, je suis avec vous. Ne mets pas un coup de guitare à la gueule. Un coup de bassin. Oh non, vous n'en faites pas, j'adore la musique. Oh non, les cons, ils ont cassé une fenêtre. Venez dedans. Je vais peut-être éteindre la télé, je sais pas ce que vous en pensez, mais... la discrétion pourrait être pas mal. Ouais. Ah, surtout que le son est à fond. Ce serait dommage. Ah, super. Bon. Je vais fermer ça aussi. Voilà. Ah, y a un copain dans la... Ah, il y en a qui est passé. Ah, y en a un, ouais. Parce que y a un bouquin pour la musique, là. Le mélomane. C'est dommage, je ne sais pas lire. Ah, c'est vrai, putain. C'est dommage. Mais en tout cas, j'ai une VHS, je peux m'entraîner un petit peu la basse, vous avez raison. Oh, ça swing. Allez, vas-y, bouge ton corps, Alexandre, vas-y. Ouais, je suis pas dans cet esprit là. Je préfère penser à autre chose. Voilà, bah pourtant moi je savoure. Oulala. Je savoure tant que t'es en vie encore. Je me suis emporté par l'esprit de la musique. Oh là, il a tiré la chasse d'eau là. Oh là. Ouais, je sais pas, il est en train de poser une pêche, peut-être. Oh la vache! Oh là là, oh ces petits pas de temps, ça nous fait. Les petits pas. Vous savez, je me représentais souvent. Ouais, je vois que. Dans toutes les écoles. Je vois ça. J'étais chef. Vous étiez du jazz avant ou... Ah non, j'étais chef scout. Au coin du feu. Mais je me laissais souvent emporter. Oh non! Merde! Oh bordel de merde! Celui de cette merde! Genre, sans doute une ancienne panne! Elle veut mon corps! Un coup de feu! Attends, c'est un coup de feu que j'ai entendu là! Un coup de feu! Ouais! Ah, mais là, il y a des combats. Parez-vous! Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Ça peut être une voiture qui est pétée également! Sait-on jamais? Ouais, on sait jamais! Faites pas échappement, ouais, c'est possible! Ça peut arriver! Chose me dit que les gens qui ont tiré ce coup de feu sont... Putain. J'ai l'impression d'entendre une Je leur souhaite... Mais la masse de zombies, putain, la masse de cadavres. Monsieur Alexandre, vous entendez... Ah, c'est ouf. Monsieur Alexandre, monsieur Alan, vous avez pas l'impression d'avoir entendu une voix? Non, je sais pas. J'ai vivement l'impression d'entendre des voix. Je crois que c'est... Attention. Ouais, j'entends du truc, là. J'entends des voix un peu étouffées. Ouais. Je vois des gens!